Messieurs, dames, la société, comment nous y bagaille pas petit, dans Santo Domingo, 14 Haïtiens arrivés joindre arrestation. Les on de 14 Haïtiens joindre arrestation dans Santo Domingo. On poser tête aux questions, qui ça qui t'a la cause et qui côté yo arrêté yo pour qui ça vraiment 14 Haïtiens joindre arrestation yo yo seul coup. Restez là, m'a dit pas déplacer dans vidéo on va connaître tout détail. Mesdames et messieurs, et j'aime cette annonce, nous, la police de Santo Domingo, eux-mêmes, ils ont annoncé que ils mettaient la patte sous 14 Haïtiens, mesdames et messieurs. Je ne vais pas commencer à expliquer nous ce qui a passé pour ne pas connaître qui côté bagaille la sortie, comment faire venir déboucher sur l'arrestation 14 jeunes Haïtiens, ça yo, qui eux-mêmes ont un travail bien spécifique que ils ont fait dans Avenida de la 27 avec Isabella Aguiar, qui c'est nettoyer vite machine. En espagnol, il y aurait le monde ça yo limpia vidrio. Et c'est ça que fait ouais, notre site là et la police, sur page la police là, yo écrit Policía detiene en Santo Domingo 14 limpia vidrios haitianos. Uno de ellos se le ocupa tel bagay, corto punzante. Tendez bien, mesdames et messieurs. Pour comprendre l'arrestation, on est obligé de regarder ces vidéos. Dans les biens rouges, là, il y a un citoyen qui filme deux jeunes haïtiens qui ont même se limpia bidrio, ils ont nettoyé vite machine, chaque fois la lumière rouge. Et bien, ou même là, on finit, on va sauver les. Il n'y a pas de quantité pour les. Mais qui te dit, il n'y a pas de jouer trois gros comme que ça. Mais il y a des gens qui ont choisi. Faire un cadeau. Citoyen même qui fin filmer deux Haïtiens ça yo qui gagne couteau ça nan men yo. OK? Yo gagne couteau nan men yo, y a fait une série de gestes qui vraiment grave, bizarre. Et puis citoyen fin record monsieur ça yo, citoyen publier vidéo ça yo sous réseaux sociaux. Qui ça qui passé? Qui t'aime dit nous, dans un petit bout de temps, en pile journal, prend une vidéo ça, il riposte. Et à travers viral, vidéo ça vient viral, la police obligée à mener investigation. Effectivement, la police descend dans le lieu côté 14 Haïtiens ça yo, alors il y a plus, bien entendu, il y a Dominique et tout. Qui connaît Limpia Bidriol là. Eh bien, yo arrivé à arrêter 14. Ça qui bizarre, c'est parce que vidéo a montré monsieur avec couteau qui a fait geste qui vraiment bizarre ça. Eh bien, la police a joint sous yon dans 14 Haïtiens yo arrêté yo. Yon couteau vraiment. Et point yo filé qui te me dit nous, j'en ai moun sa qui dans la rue a. Yo pas réfléchi même tout le monde. N'importe ça qui a passé l'autre de une blessé l'autre, entre eux même. La police qui a comme mission protéger, servir, faut qu'ils prévenir tout, ils mettent la patte sur 14 Haïtiens, ça y est, je me dis non. Qui ça quoi le fait? Eh bien, Haïtiens, ça y est, puisque les vidéos virales, ils ont montré que les gens ont gagné couteau dans les mains, eh bien, ils vont le remettre avec. MEP qui c'est ministère public pour que yo accusé yo pour yo juger et moun qui coupable yo pour yo condamner. Ouais dans cas ça au seul fait pour tout monde cap limpia bidrio dans bloc ça. Na venir le 27 février avec Isabella Aguiar là. Pour qui ça me dit ça? Par mes mouches, cap volé, yo pas connaît ni mâle ni femelle. Et c'est ça que fait toujours dire, sans fréquenter, c'est loué. Toutes 14 Haïtiens ça yo gen droit pas délinquant, mais yo trouvé en position côté que y a nettoyer vite machine pour moun pour bayo au timoné. Eh bien, à travers deux taureaux, ça yo, ok? qui gagne couteau dans mes cap fait geste ça avec couteau yo, eh bien là on vient viral. Mais depuis m'dou la police arrivée, il a pas arrêté ni chien ni chat qui présent. Son façon pour prévenir une série de bagages qui capable de passer. Et ça fait oléo policier préventif. Ou dans la rue, on nettoyer TV tout pour faire l'argent. Qui ça pour son besoin avec tout ça dans la rue? Son besoin avec. Pour aller en bas prison. Vous pouvez le juger. Sous innocent, on va plaguer, mais mon yo joue un couteau dans mes oreilles. Vous n'avez pas de l'eau pour laver. Mesdames et messieurs, comme dit nous bien. On toujours dit nous ça. En pilant nous, le nous sorti dans le pays nous. Nous pas voulons mener bap nous droite. Et qui te me dit nous? Genre de comportement ça c'est pour nous-mêmes li pas bon. Regardez qui ça crivé. Bien peut-être grand pile nan yo, c'est vrai, c'est travail yo qui doit pas joindre et puis yo choisi aller dans la rue a, yo nettoyer vite machine pour s'ouvler ou ba yo monnaie, y a manger. OK? Y a manger. Mais à cause de tout ça yo 14 points code. Yon fait pour tout, c'est comme ça le toujours, c'est ça que fait toujours dit nous. Quelle que soit la bonne action nous mener, nous représenter Haïti, nous représenter tout Haïtien qui en République dominicaine. Les mener mauvaises actions en tout, nous représenter tout Haïtien qui en République dominicaine. Les parler, ils pas dit c'est tel, ils pas contre non nous. Ils dit sont Haïtiens. Je me déplacer, je vais demander nous prendre soin de tête nous pendant que moi-même, je continue à faire travail. Moi qui sais chercher information pour nous, pour me porter, pour me capable d'informer nous. Nous-mêmes, fait par nous qui sais partager tout ça, fait tout de côté. Salut Fouco. Je ne suis pas étonné de sa nation, de la Nations Unies, c'est le Royaume-Uni. Je ne suis pas étonné du tout parce que c'est petit frère là qui a pris des décisions ça plus que toi. Le département d'État, sous pression Pierre Espérance, qui a fait un faux rapport, que nous déjà démonté et que nous allons juger à Pierre Espérance non tant qu'à venir, qui va trop loin, qui était à les Nations Unies et puis il était financé son projet pour lui à la hauteur de 300 combien $1000 américains. Chaque fois Pierre Espérance besoin fonds corps, il monte un dossier sur lui fait sous Guy Philippe, d'après témoignage Chalson Salon, il fait sous Lambert, il fait sous Yuri. Par lui, il n'y a pas de marché. Il fait sous Jules Célestin. Jules Célestin était un bail pour retirer non d'après déclaration de Chalson Salon. Il fait sous Caroli, il fait sous plusieurs mondes. Il fait sous même qui vient collaborateur. Il fait dossier de drogue sur eux. Donc, moi, je ne suis pas étonné du tout parce que documents que je n'ai même sur sacré, soi-disant massacre à Saline, non? Pierre Espérance n'a pas rien solide pour venir supporter sa guerre. Donc, je dis tout partisan, c'est partisan, pas besoin de battre trois gros problèmes. Pas besoin de battre tout problème, c'est que nous-mêmes, nous sommes en lumière, nous pas dans les ténèbres. C'est Pierre Espérance qui est dans les ténèbres, parce que la vérité c'est lumière, le mensonge c'est ténèbres. Et dans ce sens-là, je dis que nous apprenons, même à tout le monde, mais ce n'est pas nouveau. Nous déjà mettons action nous en marche pour que nous fassions procès, pas procès la massacre seulement, nous faisons procès contre Pierre Espérance pour mensonge, diffamation. Donc, c'est Pierre Espérance qui fait dossier, c'est Pierre Espérance qui monte dossier, c'est Pierre Espérance qui allait dans les États-Unis, lui a fait rapport. Donc c'est une décision qu'on prend sur le mensonge. Donc une décision qu'on prend sur le mensonge, c'est où même on a lumière, ça va pas déranger. Donc dans ce sens là, nous prenons toute disposition déjà. Parce que Pierre Espérance, toute ville c'est détruit le monde. Et m'étonner, pour moi Pierre Espérance a parlé de monde qui fait des ordres, l'attaque direction générale de la police, l'attaque un paquet de directions dans le pays, primature, l'attaque du Premier ministre, l'attaque du chef de la police, etc. Tout ça, il a dit, c'est mensonge. Mais ce qu'on seul bagaille de mes affaires là, c'est caché pour que la justice pas mettre code dans le cool pour la mort Jovenel. Pro-auteur et co-auteur, planificateur, la mort Jovenel, c'est Pierre Espérance. Pierre Espérance impliqué dans un paquet de bagailles sales. Moi-même, j'ai plus que 4 à 5 plaintes contre Pierre Espérance et j'ai 2 plaintes qui étaient déposées déjà dans le cabinet juge Walter Voltaire qui a instruit le dossier Jovenel. Et là, on dit Pierre Espérance dans la mort Jovenel, ce n'est pas vrai monter. Nous avons des indices sûrs et avec témoignages. Et le jour que la justice a fait un travail sérieux, Pierre Espérance a bien problème en dedans paysage. Donc, comme on dit, tout ça, elle a fait. L'école la bat pour cacher le dossier. Elle a attaqué tout le monde. Mais, en pile témoignage, en pile monde qui est dans le Jovenel, il dit dans la RIA, Pierre Espérance, c'est un auteur et co-auteur. Nous-mêmes pas dit ça, non, vu la preuve. C'est la Pierre Espérance, dernière réunion pour le tuer Jovenel la fête. Car il y a des âmes qui peuvent transporter sur les lieux, ils passent, ils transitent dans le local Pierre Espérance, ensemble avec une collègue qui fait massacre d'Elma 32. Pierre Espérance planifie massacre d'Elma 32, il tue Diego, il tue Diego Charles dans le bagage ça. Donc, il y a des gens qui portent plainte, il y a des témoignages, il faut que Diego, avec Nettie, qui c'est fiel Pierre Espérance, n'est pas un mur de Pierre Espérance, il y a une justice. Donc, dans ce sens-là, nous-mêmes, et sanction par condamnation. Pour nous-mêmes, tout le monde est sanctionné, et c'est des activités politiques. Mais nous-mêmes, nous prenons condamnation, c'est-à-dire un jugement qui nous prononce. Donc, nous avons assez de preuves, non mais non, et nous disons encore que le jour du jugement s'est fait, Pierre Espérance a bien problème. Parce que il a arrêté plusieurs personnes qui n'ont pas gang Pierre Espérance. Et tout dit que Pierre Espérance sont gangsters, Pierre Espérance sont assassins, Pierre Espérance sont criminels, ils sont voleurs,